à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de la maladie. Je viens d'en faire l'expérience, donc comme je vous l'ai dit, je vous le partage. Il y a quelques temps de ça, mon fils a eu une sorte d'indigestion, un truc comme ça. Et tout de suite, ça a été « Oh, t'es malade !» Ben, moi, je suis venue, j'étais le voir et je lui ai dit, en fait, tu n'es pas malade, c'est ton corps qui se nettoie. Le problème, c'est que dès que y a quelque chose qui nous semble pas juste, à nous, aujourd'hui, on a tendance à tout de suite se bourrer de médicaments, on a un rhume, on a quelque chose comme ça, paf, ça y est, on se bourre de médicaments. Et au final, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut laisser son corps se nettoyer. Parce que si vous avez quelque chose qui ne va pas, si vous avez attrapé un virus ou un microbe, quelque chose, c'est parce que vos défenses immunitaires n'étaient pas assez costauds. Donc, il faut faire un traitement préventif. C'est-à-dire qu'au lieu de se bourrer de médicaments qui ne servent à rien pour se soigner, il faut en amont enrichir nos défenses immunitaires. Et à partir du moment où on enrichit nos défenses immunitaires, eh ben, du coup, on est plus apte à se battre contre peu importe. Bon, il y a des maladies qui sont plus ou moins importantes, mais la plupart des maladies, en général, c'est comme ça que ça se passe. Il faut renforcer les défenses immunitaires, c'est-à-dire manger ou apporter à votre corps tout ce qui est bon pour aider vos anticorps à se devenir plus forts, quoi, tout simplement, à renforcer vos défenses. Le problème, c'est que la maladie, en général, fait peur. Voilà, ça fait peur. C'est pour ça que on va tout de suite voir soit un médecin, soit n'importe. Oh là là, j'ai une gastro, j'ai un rhume, j'ai... voilà. Au final, comme je vous dis, c'est votre corps qui se nettoie, tout simplement. Il se nettoie. Donc, la fièvre, on a tendance à vouloir éliminer la fièvre. Oui, c'est bien de vouloir éliminer la fièvre, mais la fièvre, c'est une façon pour notre corps de se défendre, de rejeter ce virus ou ce microbe que l'on a attrapé, ce problème. Donc, si on élimine la fièvre totalement, c'est comme si on disait à nos anticorps, arrête de bosser, laisse la maladie s'installer, quoi. Voilà, laisse le mal s'installer. Il faut laisser notre corps faire son travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lui donner un petit coup de pouce, mais il faut que ce soit notre corps qui fasse le plus gros du travail. Nous devons déjà commencer par nous dire, changer le mot maladie. Je pense que ça serait plus judicieux, enfin, d'après ce que j'en sais. Il serait plus judicieux de changer le mot maladie par nettoyage. Votre corps fait un nettoyage. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'attraper ni de virus, ni quoi que ce soit. Hein. Quand votre corps a décidé de se nettoyer, il se nettoie. Point. Et vous ne pourrez rien y changer parce que c'est comme ça. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas, il sait ce dont il a besoin, il sait ce dont il n'a pas besoin. Donc, si vous lui apportez des choses dont il a besoin, il va les garder et il va s'en servir. Si vous lui apportez des choses dont il n'a pas besoin, il se nettoie. C'est systématique et vous n'y pouvez rien. C'est à vous de changer votre façon, soit de vous alimenter, soit votre rythme de vie, soit, enfin, bref, peu importe. C'est en nous, c'est nous qui devons changer face à la maladie. Et arrêtez de dire que c'est une maladie, pensez plutôt nettoyage. Le nettoyage fait moins peur que la maladie. À partir du moment où on dit « mon corps se nettoie », eh ben, ça fait moins peur que de se dire « oh, je suis malade ».
Bah ouais, mais non. T'es pas malade. T'as juste ton corps qui se nettoie parce que tu as eu quelque chose que tu dois pas avoir. T'as chopé un truc que tu devais pas choper et ton corps se nettoie, tout simplement. Donc, n'ayons pas peur. Voilà. Et on en revient toujours à la peur. N'ayons pas peur. On a attrapé un truc, ok. Notre corps se défend, ok. On l'aide, ok. Mais pas avec n'importe quoi, pas en se bourrant de médicaments qui au final n'empêcheront pas le virus de revenir ou le microbe de revenir. Alors que si vous laissez votre corps se nettoyer tout seul, il va produire des anticorps contre ce virus ou contre ce microbe, peu importe. Et donc la prochaine fois qu'il va se présenter à vous, votre corps va le reconnaître. Et donc, systématiquement, il va apporter ses petits soldats, les anticorps, donc ses petits soldats, et il va virer ce truc qui n'a rien à faire chez vous, en vous. Mais pour ça, il faut changer la façon de penser, la façon de voir, changer les mots. Les mots ont beaucoup d'importance. Si vous dites maladie au lieu de nettoyage, maladie, maladie, médecin, médecin, médicament, et vous rentrez dans l'histoire sans fin de la pharmacopée, des médecins, etc. Par contre, si vous dites nettoyage, ok, nettoyage, il se nettoie. Vous lui donnez un petit coup de main et puis c'est fini. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous mets en suivant. Des photos, parce que ce matin avec mon fils, on a eu un appel de la forêt. Enfin, j'ai eu un appel de la forêt, j'ai invité mon fils à venir avec moi, mon petit garçon. Et comme il est en vacances, eh ben, il est venu. Donc, on a été faire un petit tour en forêt. J'ai pris des photos, je vous les partage. J'espère que ça vous fera autant de bien que ça nous a fait à nous. Et que cette forêt. C'est cette verdure dont on a tant besoin pour se régénérer et se faire du bien, eh ben, vous fera du bien aussi. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive à tous et de bonnes vibrations. Et d'ici une nouvelle vidéo, ben, portez-vous bien.